On enlève un rejeton du pied. Variété de la banane que nous cultivons ici, c'est la banane Tchikou. Typiquement à Tsese, Banjul. Elle a un goût sucré. Naturel. Voilà, magnifique. Magnifique. Oh. Donc ce qui est important de dire aussi, c'est que le bananier, c'est une plante. Une fois qu'elle a donné un régime de banane, on la détruit. On coupe la tige. Voilà, on coupe la tige et ce sont ces rejetons-là que nous voyons ici qui vont être replantés pour redonner à nouveau un autre bananier. Et ainsi de suite va la vie de la banane. On va emmener ça à l'étape suivante pour qu'elle soit mûrie et séchée. Ça fait de l'engrais après. Oui. En moyenne 12 à 15 kg de bananes fraîches pour pouvoir obtenir 1 kg de bananes séchées. On coupe. On pour laver à la maturité. On met dans l'eau pour en faire mieux. Pour laver. Que là vous lancez au four et puis quelqu'un doit rester en fait à côté pour tourner. Oui. Ok les filles, il faut enlever les mini là.
Tanda ye no wange pelo.